c'est vraiment festif, là. Tout le monde chante au moins une chanson dans la journée. Effectivement, le but est ça aussi. On a appelé ça karaoton parce qu'on connaissait, premièrement, on connaissait même pas le terme karaoton. Donc, on a appelé ça de même pour arriver puis faire participer le monde et en même temps ramasser des dons pour l'Association des parents d'enfants handicapés. Ça marche super bien. Il y a plein de gens qui sont venus. Regarde, même moi, je suis là. Quand... Je danse, c'est super entraînant. Il fait super beau en plus. Il y a plein de gens qui viennent chanter. Et qui viennent chanter avec vous? Oui, bien là, c'est ça. On me demande quelques fois de faire des chansons avec eux, avec quelques personnes. Moi j'ai demandé à ce que j'irais chanter pour 100$ et plus, là, tu sais. non, on s'amuse, en fait, c'est bon. Je crois que vous avez atteint vos objectifs, même vous les avez dépassés. Pour l'instant, on a atteint ce qu'on avait ramassé l'année dernière. Puis c'est bien sûr que là, on va le dépasser, le montant qu'on avait accumulé l'année dernière. Donc, il y a beaucoup de collaborateurs là, que vous tenez à remercier. Oui, entre autres, moi, j'aimerais remercier une personne en particulier qui est bien, bien extraordinaire là-dedans, cette chose-là. C'est Chantal Richer qui a confectionné des petits anges puis qu'elle les a vendus à 5$ l'unité. Puis ça a rapporté un joli montant. Elle va nous le donner tout à l'heure. Là, on va pouvoir arriver et divulguer ça. Mais il y a d'autres commanditaires. C'est plate, on n'a pas beaucoup de temps pour faire l'entrevue. Donc, on remercie tous les commanditaires qui ont participé à l'événement. Puis on souhaite que l'année prochaine, ça soit un événement semblable puis qu'il soit autant festif comme il l'est à l'heure actuelle. Merci. On a eu des beaux moments touchants aussi, là, donc... Oui. Ben oui, hein? Je pense que... Je pense qu'à chaque fois que ton fils chante... Oui, effectivement, c'est mon fils et mon épouse qui ont fait la toune « Laisse-moi t'aimer ». Puis ça a fait en sorte, là, d'arriver puis de faire couler quelques petites larmes. Il y a la chanson « T'aimes » aussi, une chanson. Oui, la chanson « La sérénité de mon enfant » qui a été composée par Manon Grenier. Qui est une chanson vraiment qui dit ce que c'est la vie des parents avec les enfants handicapés. C'est très touchant aussi, oui. Je ne puis changer.